vrai qu'on a un ministère prophétique, mais il faut qu'on parle des choses très sérieuses. Alléluia. Nous prenons Galates. Galates le chapitre 5. Galates chapitre 5, s'il vous plaît. Nous prenons la parole de Dieu dans Galates chapitre 5. À partir du verset 16. Jusqu'au verset 21. La servante de Dieu, Mélanie, vient. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Ici, si on a un culte, hein, ça va? Est-ce que ça passe bien la parole de Dieu? On fait comme ça? Si on comprend bien? Est-ce qu'on comprend bien la parole de Dieu? Amen. On peut l'acclamer. Galates chapitre 5, à partir du verset 16 jusqu'à verset 21. Amen, je lis la parole de Dieu dans le livre de Galates chapitre 5, à partir du verset 16. Je dis non, marchez selon l'esprit. Il dit marchez selon l'esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. La chair a des désirs contraires à celui de l'esprit. Et l'esprit, on a le contraire à ceux de la chair. C'est clair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Très bien. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Voici ce qu'on appelle œuvres de la chair. Ce sont l'impudicité. L'impureté. L'idolâtrie, la magie. Les inimitiés. Oui. Les querelles. Les jalousies. Les animosités. Les disputes. Les divisions. Les sectes. Mm-hmm. L'envie. Et les choses semblables, je vous le dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Je comprends pas le Seigneur. Généralement, les gens n'aiment pas cette légende à l'époque suivante, mais c'est ce qui est la vérité. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, tu dois marcher selon l'Esprit. Dis à quelqu'un, si l'Esprit de Dieu est en toi, tu dois marcher selon l'Esprit. C'est clair, il ne faut pas qu'on vous donne un autre évangile que ça. Il y a la chair. La chair a ses désirs. Et l'esprit a ses désirs. Mais on dit, oh, les œuvres de la chair sont manifestes. C'est tellement clair ici. Hein? On dit, les œuvres de la chair sont manifestes. Oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Mm-hmm. Ce sont l'impudicité, la dépravation sexuelle, le vagabondage sexuel, l'idolâtrie. Allez, non, doucement, ma fille. L'idolâtrie, aller adorer des choses, hein, n'est-ce pas, se prosterner devant les rivières, hein, n'est-ce pas, des statuettes, l'idolâtrie. Évitez même de dire, j'adore mon papa, aimez-moi que de m'adorer. Amen. Parce que dit, j'adore, vous faites de moi une idole. Moi, yeah. Celui qui doit adorer, c'est Dieu. Dis amen. Amen. Changez ce langage. Amen. Mon papa adoré, non. C'est Dieu qui doit être adoré. Le mot adoration, c'est un mot qui est approprié à Dieu. Pas un adorateur. Amen. Allez voir la situation dans l'Église. Vous allez comprendre. Quand vous dites à quelqu'un, mon papa adoré, vous le prenez pour idole. Non, c'est Dieu qui est notre idole. Amen. Dieu seul a besoin d'être adoré. Amen. J'aime mon papa, je préfère que mon papa adoré. C'est fort. Pourquoi vous allez faire le type là-bas vite mes bras? Amen. Oui. Mon fils m'aime tellement, souvent je l'interpelle, mais continue. Comme c'est pour vous français là, mais il faut changer mon vrai. L'idolâtrie. On est dans l'église.
Et puis on a les petits, petits trucs à côté. Quand on quitte ici, on prend cloche. C'est quoi ça? On mélange Dieu et les conneries. L'idolâtrie. Allons-y. Mais le fruit de l'esprit. Non, 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 on poursuit. L'idolâtrie, puis quoi? L'idolâtrie, la magie. La magie. C'est ça qu'il a dit, la magie. Ça veut dire les gens aiment la facilité. Aller chez les magiciens, qu'on multiplie l'argent. Il y a un frère qui me disait, tout ce que j'ai pris pour lui, il va avoir l'argent, j'ai d'argent. Il dit, moi, tu as vaincu le feu sur toi. Le Dieu n'est pas dans les hasards. Alléluia. Évitez. Vous êtes, et puis c'est trop à Paris. C'est à cause de votre nom de Paris. Là. Parce que Paris dit parier. Le nom Paris. Plein de gens sont dans les tabacs. Quand on va faire des recharges, ils font des rangs pour jouer les jeux d'hasard. C'est-à-dire que vous ne voulez pas travailler, vous voulez avoir l'argent facilement. C'est dangereux. Il y a des gens qui sont dans la magie, qui sont dans l'occultisme, dans la rose quoi, dans la franc-maçonnerie. Ces puissances occultes, c'est les œuvres de la chair. Ils aiment la facilité. Comme là-bas, ils n'ont pas besoin d'obéir à Dieu. Ce qu'il veut, ils sont satisfaits. Pour Dieu, pour que Dieu te bénisse, il faut que tu marches selon lui. Amen. C'est un grand péché. C'est pour ça que si tu as les livres de rose quoi, si tu as les livres de la franc-maçonnerie, si tu as les livres, tu as les conneries, les talismans, il faut les jeter. Amen. Est-ce qu'on m'a saisi? Amen. Si tu as les talismans chez toi, jette-les. Amen. Tant que tu auras les talismans chez toi, le Seigneur ne mettra pas plus chez toi. Amen. On ne peut pas servir de Dieu. On m'a bien saisi? Amen. La magie, jetez-moi les livres occultes, jetez-moi ces livres. Parce que Dieu n'est pas dans la magie. On dit amen. Amen. Allons-y. Les inimitiés. Oui. Les querelles, les jalousies. Les querelles, les jalousies. Je sais qu'évitez de vous quereller. Hier, je disais ça à la réunion des responsables. Dans cette église, ce n'est pas une association politique. Cette église n'est pas une association ethnique. Où on va faire des clans. Où les gens vont parler guéri. Où les gens vont parler poumen. Où les gens vont parler bêté. Je t'interdis. Amen. 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 Nous sommes une seule famille. Amen. Il n'y a ni grec, ni juif, ni esclave. Nous sommes tous un dans le Seigneur. Amen. Les querelles commencent par là, par les groupes ethniques dans l'église. Oui, yes. Ah non, lui, il est de ma région. Non, frère. Je ne suis pas de la région de quelqu'un. Ma région, c'est la Bible. Amen. Mon village, c'est la Bible. Hein? Mon pays, c'est la parole de Dieu. Donc, le Camerounais, mon frère. Amen. Les Centrafricains, ma soeur, mon frère. Je n'ai pas des Ivoiriens, tout ça. Nous sommes un dans le Seigneur. Donc, évitez les disputes dans l'église. Quand vous voyez une personne en train de disputer avec de la haine, elle tremble, c'est qu'elle est possédée. Tu n'es pas un chrétien. Sœur, tu n'es pas une chrétienne. Quand tu viens à l'église, tu disputes, tu fais. C'est toi toujours qui cherches des querelles. Il faut revoir ta vie. Tu es un démon dans ta vie. Oh, amen. L'église doit nous apaiser. L'église, c'est un lieu d'adoration où tout est sérieux, où on n'obéit qu'à Dieu, on respecte autrui. C'est ça l'église. On doit éviter de créer des problèmes à l'autre. Si l'autre voit qu'il est offensé, présente toutes les excuses. C'est comme ça l'église. Évitez les disputes. Évitez ça. Ce sont les œufs de la chair. Ah non, c'est pas toi qui m'as mal parlé, mais ça fait quoi? Si les grains de blé ne tombent dans la terre, qui ne meurt, il ne peut pas produire de fruits. Il faut Amen. Mourir dans le Seigneur. Amen. Ta chair doit mourir. Amen. Il y a des choses à moi, il faut supporter. Il faut regarder. Et à cause de Christ, tu ne réponds pas, tu regardes, tu laisses faire. Amen. Dis amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Évitez les querelles. Ça ne sert à rien dans l'église. Ça ne sert à rien dans l'église. Non, la sœur, quand je viens à l'église, elle me parle mal. Mais c'est pas la vie chrétienne, ça vrai. On ne veut pas l'église qui fait des disputes. Non. Pour adorer le Seigneur. Ça, ce sont les yeux de la chair. Allons-y. Les animosités. Les animosités, on les disputes. Les disputes. La jalousie. La jalousie. Les sectes.
Ça commence par la jalousie. Tu sais, il est en plein stage. Il a commencé son stage. Un jaloux, c'est celui qui aime critiquer. Ils ont des clans. La jalousie. Quand tu commences à parler de quelqu'un, c'est dangereux. L'esprit te fuit. Quand tu commences à calomnier une personne, l'esprit te fuit. Parce que l'Esprit Saint ne peut pas rester dans le corps de quelqu'un qui calomnie. Ce n'est pas fait pour ça. La jalousie, on jalouse les gens. L'Esprit de Dieu ne fait pas ça. Ça, ce sont les œuvres de la chair. On y va? Les sectes. Les sectes. Les endroits sectaires où il y a un gourou à la tête, comme je viens de dire tout à l'heure. C'est pour cela qu'ici, nous ne voulons pas que cette communauté soit une secte. Ou le prophète seul, celui qui doit prophétiser. Ou le prophète seul, celui qui a les dons spirituels. Il vous fait taire. Personne ne doit prophétiser. Non. Vous tous, priez pour que vous ayez les dons spirituels. Amen. Alléluia. Nous allons arriver à ça. Chacun d'entre nous doit servir l'Éternel. Je ne suis pas le seul à servir Dieu dans cette église. Je ne serai pas le seul à avoir des dons dans cette église. Tout le monde. On dit aspirer au don. Je reviendrai sur l'enseignement sur les dons spirituels. Aspirer. Si tu aspires à avoir un don de guérison, Dieu te donnera le don de guérison. Amen. Quand j'ai enseigné sur les dons spirituels, vous allez voir les semaines qui vont suivre, vous allez avoir les dons. Amen. On dit aspirer au don. Quand tu aspires, ça est là. C'est comme quelqu'un qui a un panier, une femme qui a l'argent, elle aspire manger la soie graine, elle va acheter la soie, puisqu'elle a ça, n'est-ce pas? C'est elle là. Quand tu aspires, Dieu te donne. Puis je vous dis comment rentrer dedans. Je vous expliquerai ça. Sur les dons sont là. Amen. Mais le Saint-Esprit peut venir habiter d'une personne qui fait toujours palabre. Toi, tu es servant de Dieu, palabre. L'onction de Samson, là, c'est fini. C'est lui seul qui avait ça. Amen. Amen. On n'a pas besoin de l'onction de Samson. Amen. Il y a déjà même l'onction de Samson. Comment tu l'as dit, mais est-ce que Samson est ressuscité? C'est l'onction de Samson qui est sur la sœur. Vous comprenez? Amen. Les sectes. C'est ça que cette église, c'est-à-dire les sectes, c'est-à-dire c'est un mouvement où il y a un maître qu'on appelle un gourou, tout le monde ne jure qu'en son maître. C'est ça que je refuse qu'on se mette en genoux devant moi. Papa, mais je ne sais quoi. Il y a des gens qui me voient ici, mais je me dis, mais je fous. C'est moi qui m'en la croix pour toi. C'est Jésus qui m'en la croix. Non, tes serviteurs de Dieu, mais lève-toi, je sais Dieu. C'est lui seul qui mérite d'être comme en genoux. Vous avez compris? Amen. Non, non, non. Pourquoi tu mets à genoux devant un homme? Qui est cet homme? Je refuse ça. Vous venez me voir, ne vous mettez pas à genoux devant moi. Je ne suis pas Dieu. Amen. C'est le seul devant qui tout genou doit fléchir. C'est devant l'Éternel. C'est devant l'Éternel. C'est vrai que je n'aime pas les titres. Je n'aime pas qu'on me nomme. Je suis prophète, c'est bon. Révérend, je refuse. Archibishop, je refuse. Je suis prophète, c'est bon, c'est petit, allons-y. Je suis prophète international, je laisse affaire international. Mais quand il sera prophète international, je ne vais plus dans le village. C'est ça qui est refus international. C'est-à-dire, quand tu deviens international, tu ne veux plus aller dans le village. Vous comprenez? Les titres, là, ça te bloque. Or, moi, j'aime bien aller dans le village. Je suis prophète, c'est point. International, laissez ça. Non, tu es devenu. Il dit, mais pourquoi vous cherchez titre? Pourquoi? C'est les titres que vous cherchez pour me donner. Pourquoi? C'est les hommes qu'on doit gagner pour le royaume. Amen. Ou bien? C'est les gens qui nous intéressent. C'est quel titre j'ai cherché? Je suis archibishop, je suis international. Puis ça m'amène où? Gloire à Dieu. Amen. Donc, dans une église doit être capable, n'est-ce pas, d'engendrer des servants et des serviteurs. Amen. Dans une église, il faut que les gens aient des dons spirituels. Amen. S'il n'y a plus un n'engendre pas des servants, des serviteurs, et des 27. C'est ça que parmi vous, il y aura des servants et des serviteurs. Amen. Amen, amen. Ici, je suis en train d'encourager le ministère de la servante de Dieu. En côté, il y a beaucoup de gens qui sont appelés. Je suis en train de booster, je suis en train de voilà, les encourager au ministère. Allons-y servir le Seigneur. Servons-le. Voilà, servons-le. Amen. Tout ce que nous comptons sur la terre, c'est de servir l'Éternel. Amen. Oui. Si nous ne servons pas Dieu, nous n'aurons pas le corps de croissance là-haut.
Parce que c'est nos yeux qui nous accompagneront. C'est ce qu'ils auront fait ici qui va nous accompagner. Dis-toi, il ne faut pas te sous-estimer. Tu as ta place dans le Seigneur. Dis amen. Alléluia. Amen. Dis à quelqu'un, tu as ta place dans la maison de Dieu. Dieu prend les gens qu'on ne respecte pas, qu'on ne considère pas, qu'on ne considère même pas, qui sont rien aux yeux du monde. Ce sont les gens comme ça que Dieu cherche pour établir. Faut pas vous te sous-estimer. Dieu a confiance en toi. Quel que soit ce que tu es, même si le monde te rejette, Dieu a besoin de toi. C'est pour ça qu'ici, nous allons tous servir Dieu. Amen. Dis amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? C'est ça que moi, partout, même quand un enfant m'appelle, un enfant me donne une révélation de Dieu, il m'arrête, il m'écoute. Parce que Dieu parle d'une manière, d'une autre. Je ne dis pas, ah, moi-même là, Dieu n'est pas avec toi. Mais c'est de l'orgueil, c'est dangereux. Si je suis arrivé à ce stade, je suis foutu. D'abord, je ne suis rien. J'ai été appelé par grâce. Amen. On m'a bien compris? Je le sais parce qu'il m'a fait la grâce, pas parce que je voulais. Amen. Il m'a appelé. Donc, il peut utiliser n'importe qui pour me parler. Donc, la première des choses qu'on doit bannir, c'est l'orgueil. C'est pour ça que dans une église où c'est le pasteur, l'homme de Dieu seul, il ne coule personne. Il dit, mais pourquoi toi, tu es qui? Vous me parlez. Je me parle. Il doit d'abord me parler avant de te parler. C'est dangereux. Amen. Il te relie les gens, il regarde les gens. Tu veux parler? Tu crois? Est-ce que le Seigneur te parle? Tu trembles déjà. Est-ce que tu connais la voix du Seigneur? Depuis quand? Toi, le Seigneur, toi-même tu réfléchis, tu dis, tu doutes déjà. Oui, le Seigneur peut te parler. Dis amen. Le Seigneur peut te parler. Le Seigneur a laissé Élie et il a commencé à parler à sa mère. Il a laissé le grand sacrificateur Élie et il parlait avec sa mère. Dis amen. Et Élie lui dit, je sais que c'est Dieu qui est en train de te parler. S'il parle, dis pas, ton serviteur écoute. Alléluia. Faut pas te sous-estimer. Les gens éteignent les dons des gens dans les églises. Non. Dieu t'appelle et te donne des dons. Nous allons arriver à ça. Pour bannir l'esprit sectaire dans nos âmes, dans notre esprit, nous devons apporter un réveil sur Paris. Il y a des gens que Dieu veut bénir avec les dons spirituels. Vous les étouffez dans les églises. C'est pas normal. Il y a des gens qui ont des dons. Ah, toi, t'es arrivé quand? Mais Dieu n'a pas besoin de quoi? L'apôtre Paul, le meurtrier qu'il était, il s'est converti, il a eu des milliers de dons. Il a commencé à servir Dieu. Le brigand, l'apôtre Paul, il a été l'un des plus grands serviteurs. Mais c'est un tueur. Un gangster, il était. Faut pas que les gens regardent ton passé pour te juger. Dieu s'en fout de ce jugement. Il s'en fout de ton passé. Répands-toi, il te positionne. L'église ne doit pas être sectaire. Nous refusons ça dans cette église. Dis amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que tu changes de position et que tu décides de marcher avec Dieu. Si Dieu peut te parler, Dieu va commencer à te parler. Donc, l'esprit sectaire, nous n'avons pas ça ici dans cette église. Tu es un médecin, on va t'écouter. On a le discernement. Ce qui vient de Dieu, on apprend. Ce qui viendra pas de Dieu, on va t'encourager pour dire non. Il faut justement écouter la voix de Dieu, on t'encouragera. Mais pour dire non, 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 on est une personne, non. Et que c'est le nom de Dieu seul, ça devient une secte. Allons-y. L'envie. L'ivrognerie. Les gens, ils sont envieux. C'est eux toujours qui veulent avoir des choses. C'est eux toujours. L'ivrognerie. C'est-à-dire, tu bois, tu es ivre. Dans un état second. Un état second. Quand tu es parti, tu dis. Je suis allé quelque part. On dit, ouais, mon père, lui. Ils m'ont servi whisky.
la demi-bouteille de vin. J'ai dit, le père boit, il ne va plus causer. Vous avez donné ça au père. On dit non, de temps en temps, les gens viennent ici. Je dis, moi, je ne peux pas. Parce que si je bois ça, il sera ivre. Et puis quand on est ivre, on devient bizarre. Depuis qu'un sonda il devient normal. C'est ça que l'alcool est lié au sexe. L'alcool est lié à des conneries. Quelqu'un qui boit, il va les draguer tout de suite. Il sera dans un état second. Il va commencer à faire des trucs bizarres. Nous, on appelle ça saka, 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 saka. Dis à quelqu'un saka, saka, saka. Maintenant, c'est saka, 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 saka. Dis à quelqu'un saka, 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 saka. Dis à quelqu'un saka, 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 saka. Il sera saka, saka, saka. Lui qui est venu délivrer, il va commencer à voir la sœur. Ouh, elle est belle. Tu vois, il est dans un esprit second. L'alcool n'apporte rien que du désordre dans l'esprit. Tu vas voir ta fille, tu vas dire, tu la vois là, comme une go qu'il faut draguer. C'est pour ça que c'est dangereux, l'ivrognerie. On dit, ne vous enivrez pas. C'est-à-dire, quand tu râles, tu l'ivrognes dans un esprit second. C'est-à-dire, quand tu bois et puis tu es ivre, tu as un autre esprit qui commence à t'animer. Au lieu d'aller à droite, tu partais à droite, tu vas aller à gauche. Tu vas commencer à appeler. Parce que l'alcool est lié au sexe. L'alcool est lié à beaucoup de désordres, de perversions. C'est ça que la vie dit que l'ivrognerie, ce sont les désirs de la chair. Il y a les gens qui vont te parler, ils vont boire. Je lui dis, mon frère, tu n'es pas saoulé. Il n'est pas saoulé. On dit amen. Amen. Allons-y. Les excès de table. C'est-à-dire manger, les gens, ils mangent, ils ne se rassasient pas. Et les choses sont là. Il faut laisser un seul état, vous voyez comment ça. Amen. Ça y est, sur la table, il y a 5 plats. Le frère, il mange ça. Puis tu le regardes. Il va finir plat de temps. Il va finir plat de temps. Il va finir tant, tant, tant. Puis tu le regardes. Excès de temps. Merci. En même temps, il a cherché. Il met dedans. Hein? Il peut emporter ça. Excès d'état. Et les gens ne peuvent pas gêner. Tellement qu'ils aiment manger. Vous me regardez. Parce que la chair demande ça. Si on ne peut plus se maîtriser devant la nourriture, c'est-à-dire quand on va voir une femme nue, on ne pourra pas se maîtriser. Habituez à vos corps des sacrifices, des privations. Comme ça, ça va vous aider plus tard à résister à certaines choses. Si on ne pouvait plus résister à la nourriture, il y a des choses que vous allez voir, vous allez tomber dedans. Parce que ton cœur n'a pas besoin de résister. Tu vois la nourriture, ah, c'est toi qui veux manger. Ah, c'est toi qui veux manger. Ah, c'est toi qui veux manger. Il y a des choses que j'ai vues dans ma vie. Je ne sais pas si deux personnes, trois personnes voient ça, ils vont tomber. La dernière fois, j'ai besoin de dire, je montrais la vidéo d'une dame qui me provoque. Elle se met nue, elle se masturbe à tout moment. Mais il y a la vidéo, ça est là dans mes portables, tout ça. Elle me provoque. Il y a ça ici. Mais c'est pas la première fois, chaque jour m'aidera pour ça. Ah, si toi tu es charnel, tu vas tomber dedans. Et si tu es tombé dedans, la soeur, ce qu'elle cherche là, elle va te manger. Pourquoi elle te fait ça? C'est la haute sorcellerie. Tu n'as même pas peur, à visage découvert, tu te massives. Je dis non. Mais la vidéo est là. C'est pas que je l'ai caché, c'est ça. Je bloque là, me bloque là, je bloque là, elle veut m'envoûter. Oh, ça ne me prend pas. Amen. Tu vois, elle est dans ton bureau, même elle fait tomber son pain. Tu dis, mais la soeur à quoi? Elle dit non, ça a glissé. Mais elle est née. Vous n'avez pas de tentation. Comment elle est petite tentation? Que Dieu nous aide. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Faites très attention. On dit amen. Amen. Faites très très attention. Alléluia. Amen.
Laissez pas la chair prendre le dessus. Ne laissez pas la chair vous gagner. Cherchez les choses de l'esprit. C'est pour ça qu'un chrétien, il doit au moins jeûner une fois ou deux fois dans la semaine. Amen. Il y a des gens, ils sont là pour jeûner, c'est grave. Nourriture, c'est doux, hein. Mais cherchons la spiritualité. Amen. Hein? Amen. Allons-y. Et les choses sont là. Mm-hmm. Je vous le dis d'avance. Je vous le dis d'avance. Comme tu l'as déjà dit. Comme tu l'as déjà dit. Que ceux qui commettent de telles choses. On est ceux qui commettent de telles choses. Ceux qui commettent de telles choses. Ceux qui commettent de telles choses. Allons-y. N'hériteront point le royaume de Dieu. Claire. Ils vont pas hériter le royaume des cieux. Ils vont pas aller. Nous sommes là pour le royaume des cieux. Nous sommes pas là pour quelque chose que quelqu'un. Nous sommes là pour le royaume des cieux. Tu vis dedans. Tu n'iras pas là-bas. Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Nous allons voir les yeux des désirs de la chair. N'est-ce pas? L'esprit. Nous prenons le même livre, le verset 22. Regardez les fruits de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit. Maintenant, voici ce que nous devons rechercher. C'est l'amour. On dit les fruits de l'esprit, c'est l'amour. Très bien. On commence par l'amour. Quelqu'un qui a l'esprit de Dieu en lui, on appelle ça les fruits. De l'esprit, c'est les fruits, c'est-à-dire c'est visible, c'est palpable. Il va d'abord manifester l'amour. Or, l'amour, c'est le partage. Quelqu'un qui a amour, c'est pas dans la, c'est pas théorique, c'est pratique. Il va partager, il va même peut-être même s'oublier. Quelqu'un qui a amour pense plus aux autres. Il dit pas que l'amour, les gens découvrent en lui l'amour. Le partage. La première des choses. Que l'esprit, le fruit de l'esprit positionne en toi, c'est l'amour. Et quand quelqu'un amour, il dénigre jamais quelqu'un. Jamais. C'est celui qui a un esprit mauvais. Un esprit mauvais qui vient dénigrer les gens. Mais quelqu'un qui est amour, il dénigre pas. Parce qu'il a peur de détruire. Amen. Est-ce qu'on me saisit? Donc, l'esprit de Dieu qui sera en toi va positionner d'abord l'amour. Après que tu vas considérer celui qui est en face de toi, être toujours prêt à l'aider. Tu m'as bien saisi? Il dit l'amour. C'est ça point d'interrogation. Où est passé l'amour de Dieu dans les églises aujourd'hui? On a l'impression que les Facebook sont des plateformes d'attaque. On est devenu comme. Les pasteurs sont devenus comme des DJ de Côte d'Ivoire. Il faut les perdre. Chacun s'attaque. C'est comme ça, hein? C'est les DJ là qui doivent faire ça. Mais chacun s'attaque. Chacun s'attaque. Or, l'évangile nous conseille l'amour. Où est l'amour? C'est l'amour. Où est l'amour? L'église est caractérisée par l'amour. Il dit, aimez-vous les uns les autres, parce que vous, les gens reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Pour être disciples de Jésus, c'est l'amour. Amen. Amen. J'étais fort étonné que ma fondation ait dépensé 19 millions sans que moi-même je ne m'en rende compte. Je suis dépassé. C'est-à-dire, j'ai une comptabilité, on a de l'argent, j'ai mes business, et puis d'ailleurs, ça fait propre. C'est vrai que de temps en temps, les enfants spirituels, mais on finit une année avec les enfants qu'on a scolarisés, tout ça aidé, l'école qu'on a payée, la nourriture, 19 millions. Moi, je tombe des nues. C'est ça. À point qu'on s'oublie. Les 19 millions, là, je pouvais prendre ça pour acheter une maison. Parce que moi, j'ai construit l'orphelinat à 27 millions en fonds propres. Donc, quand on est amour, on ne s'en rend pas compte. C'est-à-dire, on n'a pas peur de dépenser. On n'a pas peur de s'investir en truc. On n'a même pas peur. On partage. Un amour sans intérêt. C'est ça. Le principe de la chrétiennité. C'est pour ça que la Bible vient ici sur le fruit de l'esprit. L'esprit de Dieu en toi. C'est ça la Bible dit que l'amour sans les œuvres, la foi sans les œuvres, elle est morte. Tu as la foi. J'ai la foi en Dieu. Où sont les œuvres? Parce que les œuvres doivent être là. La foi doit être accompagnée par les œuvres. Tu as fait quoi? Tu as aidé qui? Tu as aidé quel orphelin? Tu as aidé quel veuve? Mais c'est toi toujours qui délivres. Tu as les fruits du diable en toi.
Parce que le diable, c'est un accusateur. Lisez l'Apocalypse. La Bible appelle le diable l'accusateur des frères. Ne vous trompez pas. Hein? Ne vous trompez pas. Quand vous voyez un pasteur ou un soi-disant de Dieu qui commence à attaquer les gens, il est un esprit du diable en lui. Parce que le diable, c'est un esprit qui accuse. Un véritable enfant de Dieu va toujours aider. Même s'il pense qu'il est dans l'erreur, il cherche à t'aider. Il dit, si ton frère a péché, va vers lui, approche-le et reprends-le dans le secret. C'est un principe. Donc, le fruit de l'esprit, c'est là. C'est ça qui est dans cette église. Si vous dénigrez, ça veut dire que vous êtes encore possédé. Dans cette église, si vous avez l'esprit de dispute, pour dire non, tu es plus meilleur que l'autre, personne n'est mieux que l'autre. Vis ta vie chrétienne, pourvu que tu pratiques l'amour et que tu sois toujours prêt à aider l'autre, même le plus faible, le soutenir. On dit, vous qui êtes les forts, soutenez les faibles. Donc l'amour, c'est ça l'amour. Regardez l'église primitive, la Bible dit que tout le monde, ils avaient pour bien commun, chacun partageait ses biens. Où est l'église? Pourquoi on se délite entre nous? Pourquoi il y a la méchanceté? Quand on dit aider les veuves et les orphelins, il y en a combien de sectes qui le font? Hein? Il y en a combien? Il y a les gens qui sont prêts à acheter des voitures de luxe, les Maserati, 300 000 euros, des trucs, mais ils ne sont jamais prêts à aller construire l'orphelinat parce qu'ils n'ont pas en eux le fruit de l'esprit. Parce que c'est un sacrifice. S'oublier et puis investir dans le truc, il faut avoir l'esprit de Dieu. On dit amen. Amen. Donc, quand tu as l'esprit de Dieu en toi, la première des choses que tu manifestes, c'est l'amour. Ça se sent autour de toi. Tu as toujours envie d'aider. Tes paroles aimables. Tu as toujours envie d'aider les gens dans la rue. Moi, je suis choqué quand je vois un enfant qui ne mange pas. Je suis choqué. Je suis choqué quand je vais dans la rue, je vois des gens en train de demander. Ils ont des enfants au dos, ils ont faim, je vais manger. Mais je suis choqué par ça. Vous comprenez? Donc l'amour. Allons-y. La joie. La joie. Amen. La Bible dit, soyez toujours joyeux. Il y a des gens quand tu vois leur visage, ils sont dans le saut d'humeur. Et toujours sont fâchés. Arrêtez ça, dis à quelqu'un, arrête ça. L'esprit de Dieu apporte nous la joie. L'expérience, c'est-à-dire, il t'amène à croire ton futur. Quand tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu es anxieux, tu as peur de ton lendemain. Non, ton lendemain est assuré avec Jésus. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Donc l'esprit de Dieu donne cette assurance à point que tu as toujours de la joie. Un chrétien doit te réveiller joyeux. Il a bien dit, soyez toujours joyeux. Donc c'est un fruit de l'esprit. Si tu commences à avoir peur, tu n'es pas dans la joie, frère, ça veut dire qu'un démon a commencé à te posséder. On y va. La paix. La paix intérieure. Amen. Amen. Et ça, vous recherchez ça à tout moment, la paix. La paix ne permettait pas de quelque chose. Vous savez que la Bible dit que Jésus est le prince de la paix. Peu importe ce que tu dis, mais cette paix intérieure que la société, que ta nation, que quelqu'un ne peut donner, Dieu te la donne tranquillement, c'est en toi, tu es en paix. Amen. Tu crois de tout ton cœur que quelque chose. C'est pour ça qu'il faut être en paix. La paix, c'est le Saint-Esprit qui nous a, c'est un fruit de l'Esprit. Allons-y. La patience. La patience, il faut beaucoup être patient. La bonté. La bonté, il faut être bon. La bénignité. Oui, allons-y. La fidélité. La fidélité. La douceur. Les gens ne sont pas fidèles. Ils peuvent être avec toi aujourd'hui et puis demain ils te fuient. Pas de loyauté. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils écoutent. Ils écoutent ceux qui parlent mal de toi. C'est ce qui les intéresse. Mais ils ne tiennent pas compte de ce que tu leur as rendu comme service. Ils oublient ça facilement. Les gens ont suivi Jésus jusqu'à la tombe. Bien qu'on l'a crucifié, qu'il soit mort, ils sont allés jusqu'à dans la tombe. Dans la tombe. Décomposé qu'il était, ils étaient avec Jésus. Il y a deux catégories de personnes dans le ministère. Il y a des gens qui viennent pour bénéficier de l'onction. Il y a des gens qui t'aiment pour t'aider. Ils sont convaincus. C'est pour ça qu'un homme de Dieu doit marcher avec les gens de conviction. Amen. C'est pour ça que moi, à partir d'aujourd'hui, c'est celui qui est prêt pour moi là. Sans celui, il n'a jamais investi. Amen. Amen. Parce que celui qui est plein de conditions,
qui marche avec toi, il s'en fout de ce que les gens disent. Il est convaincu. Et puis d'ailleurs, la Bible dit, ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Quand vous suivez quelqu'un sans conviction, c'est dangereux. Quittez déjà dedans. C'est ça qu'il faut être fidèle en toute chose. Évitez quand vos voix puissent vaciller comme ça. Non, la fidélité. Dieu, c'est fidèle. C'est la fidélité. C'est pour ça que quand l'Esprit de Dieu est en toi, peu importe ce qu'on dit, peu importe, mais il y a la fidélité qui est en toi. Tu n'abandonnes pas si facilement. Non. On dit amen. Amen. C'est quand tu as un esprit méchant que tu ne t'attends pas à abandonner les gens. Allons-y. La douceur. La douceur. Ça, c'est un mot très important. Il faut être doux. Il faut savoir parler aux gens. Il faut être vraiment doux. Allons-y. La tempérance. La tempérance. Il faut par moment se maîtriser face à certaines choses. Allons-y. La non-répartance des choses. Oui, allons-y. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Alléluia. Amen. Donc, voici un peu le fruit de l'esprit. Quand on a l'esprit de Dieu en nous, on a ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. Et ça, si vous n'avez pas encore le fruit de l'esprit en vous, ça veut dire que, quelque part, c'est un mauvais esprit qui vous contrôle. On va comprendre. Donc, quand un esprit sort de notre corps, n'est-ce pas, quand on le chasse, il est parti, ok? Il s'en va, il rôde, n'est-ce pas? Mais après ça, il faut entretenir sa vie chrétienne par la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit étant en nous, va commencer à faire soit les fruits de l'esprit, qui va façonner nos caractères, l'amour, la patience et tout ça. Et à partir de ça, vous allez voir que Dieu va commencer tellement à l'aise avec vous, le Saint-Esprit sera tellement à l'aise dans votre corps qu'il va commencer à vous donner des dons. Dis amen. Amen. Tant que l'Esprit de Dieu n'est pas assis en vous, qu'il ne se sent pas à l'aise en vous, il ne vous donnera pas des dons. N'est-ce pas? Quelqu'un qui vient, il a l'air chez toi. Il parle bien à toi. Tout ce que tu veux à te donner. Vous comprenez? Donc, permettez à Dieu d'être à l'aise dans votre corps. Permettez au Saint-Esprit de s'asseoir en vous. Permettez au Saint-Esprit de contrôler votre cœur. De lui laisser la première place. De lui laisser vous transformer. On se tient debout. Nous allons prier le Seigneur. Dis amen. Amen. On se tient debout. On est d'accord? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Je vous disais comme ça, c'est une église, il faut commencer à enseigner. C'est différent de quand on est en croisade, ou même quand on a des réunions de prière, on met l'accent sur la délivrance, on parle de certaines choses, mais quand on est dans une église, il faut commencer à faire soi les gens si des valeurs chrétiennes. Il faut commencer à faire soi les gens dans la chrétiennité. Il y a des choses, il faut commencer à enseigner les choses dès le départ. C'est pour ça qu'on a parlé de la délivrance. C'est pour ça qu'on a parlé de comment conserver sa délivrance. C'est pour ça qu'on a parlé de s'entretenir sa relation avec Dieu. Conserver sa délivrance par la vie des prières, par la vie des sanctifications, pour ne pas que les démons reviennent après. Amen. Amen. Par la vie des prières, la lecture de la parole de Dieu, être assuré dans les réunions, être fidèle, éviter de marcher avec les gens du monde. Évitez ça. Que Dieu nous aide. Amen. Nous devons nous séparer de tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Amen. Et vivre nos vies chrétiennes. Parce que frère, pour être vrai disciple de Jésus, il dit celui qui voudra me suivre, qui renonce à sa vie. Amen. C'est un renoncement. Si tu ne renonces pas à ça, Dieu ne pourra jamais te bénir. Amen. Parce que ce dont Dieu a besoin, c'est de ton cœur. Amen.